Alors, nous sommes ici dans le carré des petites. Donc, on a traversé le potager jardin. On était dans le carré des grandes. Et donc, vous voyez, la densité des végétaux et des plantations a diminué. Tout est beaucoup plus bas. On est jusqu'ici à un massif où on est sur des aromatiques vraiment au ras du sol, puisque c'est vraiment la fin du jardin qui est venue disparaître pour faire écho aux ruines de l'abbatiale qu'on a derrière nous et qui avait vraiment impressionné les paysagistes quand ils étaient venus visiter le site, la présence de cette absence. Et donc, ils ont voulu vraiment la symboliser lorsqu'ils ont dessiné le potager jardin. Là aussi, on laisse les plantes faire leur vie. On a derrière nous un massif où on a des choses très diverses. On va avoir la sarriette, du serpolet, des fraises des bois, de l'aquilée. On va avoir ici alors une plante rigolote qui s'appelle la roche fraise ou l'épinard fraise, parce qu'on peut en manger la feuille qui ressemble à la feuille d'épinard et les petits fruits rouges qui ressemblent à des fraises. Alors pas au goût, hein, c'est seulement esthétiquement. Donc ça s'appelle l'épinard fraise ou la roche fraise.